la vitesse. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Salut à toutes et à tous, c'est Rochi. Aujourd'hui, on se retrouve en face caméra, les uns en face des autres. Enfin, si j'arrive à le faire correctement, pour un nouvel épisode d'Iroma. Donc, ça fait longtemps que je vous en avais pas prévu. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ça doit faire au moins peut-être 3 semaines qu'il n'y a rien eu d'Iroma. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a rien qui a avancé non plus. C'est fantastique, autre que j'ai été miné. En fait, c'est ça qui me bloquait depuis beaucoup, 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 beaucoup de temps. C'est que j'avais la flamme d'aller miner, ça me saoulait. Donc, en résumé, j'ai bougé tous les coffres qui étaient dans cette base. Donc, si on va voir, la base est un tout petit peu vide. Si on regarde bien, hein, voilà. N'oubliez pas qu'on avait fait ça dans le dernier épisode, le Hang Gliver. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un tout petit peu plus vite qu'avant. Genre, il reste ce coffre-là, ce lit à péter. Enfin, bref, ça a pété, mais bon, ça se fera plus tard. J'ai essayé de ranger un tout petit peu mieux les coffres de manière à qu'on s'y retrouve un tout petit peu mieux. On va pas se mentir. Parce que c'est un tout petit peu le bordel. Bon, en gros, il y a tous les minerais qui sont ici. Tous les petits trucs qui sont ici. Et tout qui est ici. Et on voit que tout. Il y a beaucoup de bouffe. Enfin, j'ai essayé de ranger du mieux que je pouvais. Et les machines ici sont pas encore installées. J'ai pas encore fait les réseaux de câbles électriques partant de l'usine ici, passant sous terre et tout et tout. Donc on va pouvoir faire ça par la suite, bien entendu, sans souci, sans complexe et quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, comme je l'avais prévu dans le l'épisode précédent. Je sais pas le numéro. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir que ça revienne, parce que moi ça me fait horriblement plaisir que ça revienne. Donc comme je l'avais précisé dans le dernier épisode. On va faire une query dans cet épisode. Donc j'ai pu aller ramasser des diamants, j'en ai 17 maintenant, donc ça fait vraiment beaucoup. Et nous, ce qu'on va s'occuper, c'est d'avoir une query, parce que j'en ai marre d'aller miner. Je vais pas vous mentir, c'est ça qui me saoule le plus dans Minecraft. Au bout d'un moment, c'est le minage. Donc on va faire une query du mode Buildcraft. Query, donc voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi de me voir en facecam. Donc si vous me voyez avec de la lumière qui vient de par là, c'est parce qu'en fait on est le soir, même la nuit, et il n'y a pas la lumière du jour. Donc voilà, je préviens vite fait, rapidement, ça peut être utile de vous le préciser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ça. Donc ça va être assez facile à faire, vous allez le voir par la suite, puisque en fait il suffit juste d'avoir beaucoup de bois et j'ai mal au dos. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc en gros, Iron Gear, ça va être assez rapide à faire, puisque en fait c'est juste du bois en fait. Vous allez voir que c'est très 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 rapide à faire. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est les petits stacks de bois, enfin de cobble. Ensuite, un petit stack de bois comme ça, où on va faire pas mal de sticks, parce qu'il va nous en falloir pas mal. Et il nous faut trois choses, donc on va aussi placer une table de craft, voilà, on va placer ça. Ah oui, j'ai tout déplacé, mais j'ai pas tout replacé, voilà, donc pour vous expliquer. Donc il nous en faut 1, 2, 3, 4, attendez, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Donc il nous en faut 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà, hop. Voilà, bon, 8, on s'en fout, voilà, hop. Maintenant, il y en a, de toute façon, on est obligé de tous les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il y en a juste qui seront plus complexes que d'autres, on va dire. Hop. Vous voyez, on fait juste des wheels normales, des gears en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, il va nous falloir du fer. Donc, heureusement, on en a pas mal. Il va nous en falloir 3, 6, 4 fois 3, 12. Donc, j'en ai assez. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Voilà, on a nos iron gears qui sont ici. Il nous manque. Voilà, je vous l'ai, je fais tout avec vous, puisque j'aime bien quand c'est bien fait et fait avec vous. Voilà, c'est toujours plus cool de faire tout avec vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et c'est pas ça. Oh non, j'ai compris. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, il nous en faut 2 de plus, c'était comme ça. Ensuite, on les remplace partout au middle, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, voilà. On en a 2 nouvelles, vous voyez que ça demande à chaque fois de refaire les choses, c'est assez chiant. En gros, ça veut dire que c'est de là on va devoir les refaire en fer. Ça demande du fer, ça demande beaucoup de choses. C'est pour ça que la quarry, c'est pas la chose qu'on peut crafter au début d'une série. Hein, pour vous expliquer très promptement, on voit dans les yeux là. On se voit les yeux dans les yeux, je veux dire. Voilà, hop, 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 hop. Ok, je sais plus crafter. Voilà. Donc, on a nos 3 comme ça, nos 2 comme ça, il nous manque le diamant, on t'aime diamant.
Donc voilà, il nous en faut... Ok, faut que je refasse celle en or. Putain, à chaque fois, faut refaire celle qu'on a déjà fait, c'est assez chiant. Mais bon, l'utilité, moi, je la vois, personnellement. Iron Gear, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Hop. Ensuite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2, voilà. On a les deux en diamant, donc ça, ça vaut une fortune pas possible. Et ensuite, il va nous en falloir 3, donc voilà, on est déjà ruiné. Faut qu'on se fasse une pioche. Et ensuite, faut qu'on se prenne un de redstone. Voilà, la redstone, c'est ce que j'aurais le plus besoin grâce à la query, hein, je vais pas vous mentir. Et vous êtes prêts? Choc, choc. Le craft légendaire. Le craft, the legendary craft. Attention, la query. Voilà, donc on a crafté notre query, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans cet épisode et on va sûrement pouvoir la lancer tout simplement puisque j'ai prévu quelques trucs qui sont pas trop trop dégueulasses, même si je crois qu'il me manque 2-3 choses. Mais niveau câble, on a du hardened d'avance, en gros on a déjà 30 d'avance et vous allez voir qu'on va pas mettre forcément la query ultra loin, mais on va la mettre sous terre je pense pour pas que ça gâche le paysage, parce que le paysage c'est beau le paysage. Donc on va prendre de quoi miner, on va prendre, vous voyez que j'ai des outils en trop en fait. Voilà, hop, 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 voilà, c'est dégueulasse comment on a fait ça. Au cas où qu'on a un problème, on va déposer tout ce qui est précieux ici. Et on va pouvoir aller installer ça, donc je suis encore en peaceful, et oui parce que quand je vais miner je me mets en peaceful parce que j'en ai marre des creepers par derrière. Mais je vous promets, pour les prochains épisodes, on sera plus en peaceful. Hein. Donc les prochains épisodes vont arriver un petit peu de retard, puisque comme vous le savez peut-être certains d'entre vous, donc là vous voyez qu'on est full ici, on est full là-bas. Hein. On a une puissance immense. Hein. Je sais pas si vous le savez exactement, mais je pars au Danemark, et le Danemark, bah, c'est pas tout près. Et je pars une semaine au Danemark, donc ça va être ce mercredi-là. Donc la semaine, vous regardez, ça va être le mercredi-là. Donc, de toute façon, vous aurez une vidéo spéciale qui va arriver en face commentary, mais en plein écran, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Et voilà. Donc, alors, je vais vous montrer déjà qu'est-ce que ça fait quand on la pose. Je crois qu'on ne risque rien à la poser. Enfin, j'espère. Bon. Au pire, on tente ici. Non, ici, si on veut rajouter des fermes là, on va devoir aller se mettre par là-bas. Donc, on va pas tenter la mort non plus. On va miner, on va creuser sous terre. Donc là, si je veux construire des bâtiments, ce serait utile. Bon, bon, on peut la mettre ici. De toute façon, la taille que ça fait quoi comme taille déjà? Attendez, on va voir la taille. Ok, ça fait cette taille-là. Ok. Comme ça, au moins, on n'est pas loin. Voilà. Hop. Ouais, il peut creuser de moins 292, patati patata. Donc on va devoir la répéter. Ah non, non, attends, 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 ça sort. Attendez. Il nous faut un... Heureux les amis, me demandez pas, il a arrêté de filmer. Voilà, donc je sais pas, il a arrêté de filmer comme ça, là, en mode je ne veux plus filmer, tu me fais chier, je ne veux pas filmer. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant que vous étiez pas là? Ben, j'ai creusé ici, je suis tombé sur un lac de pétrole, et je suis sorti grâce à mon jetpack. Mais ça m'a rendu mad de voir que ça avait arrêté de filmer. Donc j'ai envie de rager, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, la rage est naturelle, dirons-nous. Donc alors on va devoir s'installer à un meilleur endroit. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, les amis? Je sais pas pourquoi il a coupé. Comme ça, il s'est dit, tiens, si je coupais, si j'allais le faire chier. Et il a coupé. Voilà, donc on va sûrement s'installer ici. Donc vous voyez qu'on a une zone assez conséquente, voilà, hein. Il y a la preuve qu'on peut le péter hein, aussi. On peut le péter avec une pioche. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et donc on va se mettre sous terre comme je l'avais prévu. Voilà. On descend. On pète quelques minerais au passage. On est en couche 59. Voilà, on le place ici. Donc on va essayer de voir un petit peu quelle zone il va prendre en compte. Alors c'est pas par là qu'on veut voir ça. C'est plutôt par là. Non. Peux-tu me mettre la zone que tu veux mettre en... Voilà, et voilà, elle est là la zone. Donc voilà, en gros il va creuser tout ça dès l'instant qu'on aura mis ce câble hardened énergique par devant. Voilà. Et le câble de sortie par au-dessus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va faire pour le moment une petite installation à l'arrache. Hein. J'installerai ça de manière plus convenable par la suite. Et même, vous allez voir à quel réseau on va se connecter d'électricité. Mais c'est horrible de faire ça, voilà, oui, vous pouvez me gueuler tous dans les commentaires, je ferai ça plus tard, de manière plus politiquement politique, voilà, dirons-nous. Voilà, ne me demandez pas d'où vient le mot politique dans ma phrase, parce que je ne saurais pas vous répondre. En plus, il va m'en manquer, il va falloir que j'aille en crafter.
Alors vous allez voir que par contre on va voir, ça va creuser très rapidement. Donc faut pas que je le branche directement. Donc c'est tout aussi bien qu'on n'ait pas forcément tout directement à proximité. Voilà, donc il m'en manque un petit peu. On va pour le moment aller chercher les autres câbles qui nous manquent. Donc je vais vous montrer comment on va aller chercher assez rapidement. Tout d'abord on va recharger notre jetpack. Donc je ne sais pas combien de vidéos on en est, hein. À combien de moments de la vidéo, en plus ça va me faire un sacré montage parce que ça filme la caméra en même temps. Super, herorage.com. Donc c'est ici qu'on recharge avec le Energic Infuser. Attention, on est rechargé, voilà. Hop, j'ai bouffé même pas un millième de mon énergie. Et il fait encore nuit, hein. Je sais pas pourquoi il fait, mais il fait tout le temps nuit dans le jeu. Voilà. Bon, alors, allons chercher ce qu'il nous manque. Et oui, c'est pas preuve, faut cette ellipse en plein milieu qui a coupé. Mais on s'en fout. Donc, il nous fallait des câbles comme cela. En fait, il va nous falloir des coffres, puisque je ferai les triages plus tard. Quand on aura des ME, ça va être beaucoup plus simple. Et regardez ce qu'on va faire aussi. Hop, hop, hop. Et on va aussi faire... la redstone, bon, on va pouvoir en faire 25, ça nous suffira, hein, de toute façon. Hop, 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 non, s'il te plaît, voilà, hop, hop, hop. Et on va pouvoir voir aussi les câbles, et voilà, on a quelques ardennes en plus. Donc voilà, voilà, hop, comme ça on a 25 ardennes en plus, et on a des câbles pour transporter les items que j'ai pris, je ne sais où, ici, voilà. Et on devrait en avoir assez à mon humble avis, comme nous pourrions dire. Donc allons-y. Hop, hop, hop. Vous allez voir que ça va pas être pro du tout. Puisqu'en fait, on va placer les coffres ici. Hop. Hop. Alors vous allez voir qu'il y a des bugs avec les doubles coffres. Mais normalement, on devrait pas avoir de soucis. Et je sais pas pourquoi, mais on a des gros chutes d'FPS ici. Et c'est lui qui pète ses gros arbres en fait, c'est tout. Pour le moment on va pouvoir faire ça comme ça. On va faire un endroit de sortie pour les items qui sera en haut dessus. Voilà, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, on va pouvoir faire ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et maintenant, je pense qu'on n'a plus qu'à tester en fait. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce qui va se passer. Et voilà. Au moins on aura une query pour nous dans 3, 2, 1. C'est parti. Enfin, normalement, c'est censé recevoir de l'énergie. Normalement, voilà, et ça reçoit de l'énergie. Ah, à mon avis, le truc est parti. Creuser quelque part. Alors on reçoit une quantité d'énergie absolument immense. On va pouvoir monter aux 15 000 joules à mon avis. On va être au maximum. Et on va bientôt commencer à recevoir des minerais. Donc est-ce que ça nous bouffe toute notre énergie? La question que je me pose. Allons voir ça niveau énergie. Est-ce que ça tient le route ou pas? Ok, bon. Voilà, bon. Ça tient la route. Simplement. Mais ça tient la route. Enfin, ça tient la route, je veux dire, de... Easy busy les doigts dans le cul, quoi. Ah oui! Ça va? Tu vas pas trop vite, toi. Hein. Non, non, non. On est d'accord, il va pas trop vite. Il ne va pas trop vite du tout. Voilà. Donc, on va vite fait avoir beaucoup de minerais, moi, je vous le dis. Surtout qu'on est à 15 000 joules bientôt. Attention. Vous voyez la puissance de ce machin. Attention, il va commencer à foutre les machins, mais genre ultra rapidement. On va s'écarter un petit peu. En fait, il récupère pas ces zones là. Par contre, vous êtes prêts. Regardez la vitesse, ça va. Mais c'est trop bien. Voilà pourquoi le facecam, parce que j'aime bien faire des machins de merde. Mais c'est trop bien. Mais regardez-moi ça. Attention, vous êtes prêts. Plus besoin de miner dans 5, 4, 3, 2, 1. On est à 15 000! On est à 15 000! Oh mon dieu! On a 15 000 joules! On a 15 000 mégajoules! 15 mégajoules! Attention, vous êtes prêts à la miner de la vitesse? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh merde, faut le foutre en. Oh oh, alors là on a un petit souci. Vous permettez? J'y avais pas pensé à ça. Deux secondes. On coupe l'énergie là. Ah oui.
Ah oui, y a, en fait, j'avais oublié le petit souci qu'il peut y avoir avec notre cher ami Buildcraft, c'est qu'il n'est pas compatible avec ses tuyaux. Donc en fait, je vais vous montrer la technique la plus utile pour la planète, en fait. Il faut que je me dépêche, mais genre ultra rapidement, quoi. Parce que là, ça va vite devenir le bordel. Oh merde, oh merde. Vite, 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 Hiro, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh mais il y a... Oh putain, ça commence à ramer là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ça rame. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Vite, 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 vite. Il me faut vite, vite, les cerveaux moteurs, les cerveaux moteurs, les cerveaux moteurs et un coffre. Vite, 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 les cerveaux moteurs, cerveaux moteurs, voilà, vite, 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 hop. Vite, on en a besoin, vite, avant que ma map crash, mon ordi crash, mon jeu crash. Notre jeu ne supporte plus la puissance de... Ah c'est bon, donc on a pu récupérer déjà pas mal de choses en notre inventaire. Alors je vais vous montrer comment on va faire. En fait, faut savoir que les tuyaux ne sont pas compatibles entre eux, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc ce qui va faire que lui il va envoyer ça ici, et nous on va récupérer ça comme ça, via l'aide d'un cerveau moteur qui va prendre tout ce que je lui demande et nous l'envoyer dans nos jolis petits coffres de manière rapide et efficace. Et maintenant, si on remet le câble, attention, vous êtes prêts, voilà, ça passe ici. Et toi, je sais pas pourquoi t'es là, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, il va remonter jusqu'à 15 000 mégajoules et il va creuser pour moi de manière ultra rapide, bien entendu, de manière ultra efficace et rapide. Et voilà, comme ça, bah, par la suite, on aura une quantité astronomique de blocs, de tout ce que tu veux. Et voilà, un petit peu l'évolution de notre partie. Et voilà, c'est reparti pour miner à une vitesse folle. Mais vous avez vu à la vitesse de cette partie tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il va creuser sur toute une zone. Et plus tard, bah, on agrandira les zones, en fait. Je le prolongerai à côté, encore à côté. Bah voilà, et qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, on a rien. Enfin, on va le prolonger plus par là, voilà. Et comme ça, bah, ça creusera pour nous, voilà. Et comme ça, ça altère pas le paysage. Parce que, en fait, cette zone-là, je comptais pas l'exploiter principalement. Donc voilà pourquoi on fait en sorte que ça y aille. Et on va voir que ça va remonter jusqu'à 10 000 mégajoules, comme vous allez pouvoir le remarquer. Et voilà un petit peu le résultat de cette expérience du swag. Donc voilà notre quarry qui va miner pour nous des centaines et des centaines de dizaines de milliers de blocs. Et j'espère avoir mis pour le moment assez de coffres, puisque là, ça va vite être le bordel sinon. Voilà, en fait, ils vont arriver à deux zones. Pour le moment, ceux derrière ne sont pas encore pris en compte. Mais voilà, on va pouvoir voir. Mais là, vous voyez qu'on est déjà à 9000, 9000, 10000. Donc, vous voyez qu'il va déjà assez vite. Et il va descendre rapidement à la couche 0. Une fois à la couche 0, il va s'arrêter. Et on va pouvoir changer la place de quarry. Et continuer jusqu'à avoir une couche totalement immense de minerais. Donc, il n'y a pas Mistcraft. Enfin, je me rappelle pas qu'il y a Mistcraft. MMM comme Mistcraft. Ah si, Mistcraft. Bon, bah, on exploitera peut-être par le futur Mistcraft pour essayer d'avoir un Dense Ore. Et là, Dense Ore, ça va être la puissance, quoi. Si on arrive à foutre ça dans les Dense Ore, mais le problème, c'est que les Dense Ore, ils sont obligatoirement, et c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, mais ils sont obligatoirement corrompus. Enfin, c'est compliqué. Les mondes sont corrompus. Bref, on verra ça par le futur. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop court ni trop long. J'espère que la facecam aura bien marché, qu'il n'y aura pas eu de décalage, qu'elle y sera bien, parce qu'il faut savoir que s'il y a une coupure, enfin, tout a été enregistré. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que la quarry vous aura plu. J'ai dit que je changerais de jetpack, que je le ferai dans le prochain épisode. Mais en tout cas, admirons cela, mais vraiment les gens. Oh oh, attendez, je vais voir si on a une énergie suffisante là. Parce que je veux pas tomber en rade non plus d'énergie. Hein. Donc dis-moi, est-ce que toi ton énergie est suffisante? On reste bloqué à 2 millions. On essaie bien 2 millions, hein. Voilà, bon, on reste bloqué à 2 millions, en fait, hein, voilà. Donc on n'a pas de soucis de trucs de ce genre, hein, on va pas se mentir. Donc, en gros, bah, ça va mettre en mode illimité. En fait, pourquoi tu ralentis? Pourquoi il ralentit? Merde. Merde, j'ai plus d'électricité. Mais pourquoi ralentis-tu, jeune ami? Toi, tu as toujours toute l'énergie qu'il te faut. Que se passe-t-il? C'est une très bonne question. En tout cas, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. De toute façon, il y aura le défi de like. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un commentaire si vous avez une idée ou quoi que ce soit. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois. Allez, merci. Ah, attention, je prépare la touche. Merci à tous.